Bonjour tout le monde, on est le 9 octobre aujourd'hui et le mercredi c'est une petite journée que je passe avec vous parce que le matin je garde tout mon temps pour m'occuper de la maison. Là j'ai parti une rouelle à la mijoteuse, c'est la recette de Ricardo, si j'arrive à retrouver le lien je vous le mettrai en barre de description. Je la faisais au four avant mais maintenant je la fais à la mijoteuse parce que je la trouve encore plus fondante. Tantôt, il faut que j'aille voir mes poux, je leur ai cuit des épluchures. Et là, je file à la pharmacie avec Cheyenne. On fera peut-être un détour par la librairie si c'est ouvert. Mais en rentrant, je fais un peu de couture. Je me réserve l'après-midi aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se plante. Hein. Regarde droit devant et moi, je regarde en l'air. Il faut regarder le sol aussi. Regardez le sol, voilà. Bibliothèque et les chats. Ah, c'est très beau. Regarde celle avec la NASA. Je vais la prendre. Vas-y. Cheyenne et son seau des gnomes. Vas-y, ouvre. C'est Cheyenne qui l'a vu. Cela qu'on puisse la voir. Ah, oh, c'est chouette. Tourne un peu parce qu'on sur les côtés. Ah oui, ok, c'est la carte derrière. Ah, oh, super beau. Mon astronaute. Thank you.
Je viens tout de suite vous dire bonne soirée et à demain. Parce que Cheyenne s'est endormie sur le divan devant Miss Marple. Et je vais aller broder un petit peu à côté d'elle sans trop faire de bruit. Je vais aller faire un petit bout du renard de rouge antique. Après ça, les garçons, vous rentrez, on va prendre le souper. Victor va me jaser de tout son premier cours. Et donc, bah, écoutez, après il sera déjà tard. Donc, je vous retrouve demain, j'espère passer un peu plus de temps avec vous demain. C'est vrai que le mercredi, ça passe très vite. Avec le matin, les choses pour la maison, l'après-midi, je prends le temps avec mes enfants, ça c'est certain. Et puis, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bonne nuit, à demain. Et faites bien attention à vous. Tantôt, il y a eu des grosses rafales de vent ici. Donc j'ai une pensée pour les personnes qui sont sous la tempête aujourd'hui. Et j'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis à demain. Bye bye.